Ce tuto de la flemme. C'est la fin de la quarantaine, c'est génial, sauf que vous devez porter un masque. Il va vous falloir un foulard. Et si vous n'en avez pas, je suis sûre que vous avez plein de tote bags chez vous dont vous vous servez jamais. Donc il vous suffit d'en choisir un et vous coupez du tissu dedans. Et c'est tout. Et vous allez voir que c'est sans couture. Donc je vais vous montrer comment. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des élastiques. Vous pouvez aussi couper des bandes de tissu dans le même tote bag et faire des nœuds. And that's it. Donc, je vais vous montrer comment on fait. J'ai deux élastiques, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des élastiques. Et j'ai mon petit tissu. Et en fait, je vais simplement le plier de telle sorte à ce que j'ai une surface qui recouvre en fait le nez et la bouche. Voilà. Et ensuite, on va venir faire un pli par là, un pli par là. Et on prend nos élastiques. Je refais mon pli et là je vais mettre ce bout là à l'intérieur histoire que ça tienne un petit peu mieux et en fait vous allez voir que vous avez un super masque. Bon, j'avoue que c'est pas ultra agréable. Que de bonnes nouvelles, j'ai reçu mon bouquet et surtout mon trépied. Je suis trop contente. Alors voyons voir à quoi ça ressemble. Contente d'avoir reçu mon trépied, je l'ai commandé il y a des semaines, mais avec le confinement tout a été retardé. Bon, l'idée c'était de faire des autoportraits pendant que j'étais confinée. Bon, on arrive un peu tard, mais je vais quand même pouvoir faire des autoportraits et d'autres choses.
Du coup, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à filmer ces vidéos et à faire le montage, même si ça prend beaucoup de temps. Si jamais c'est un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like ou les trois à la fois. C'est toujours très encourageant. Et puis, je vous vois à la prochaine. Bye!